en appellent ainsi à l'intervention de l'autorité compétente pour des solutions sécuritaires et douanes. Reportage. Arrivé ce mardi 8 février 2022 dans la ville de Butembo par l'aérodrome de Rwanda, la délégation de la Fédération des entreprises du Congo, section du Nord Kivu, conduite par son président Singoma Mwanza, a été accueillie au pied de l'avion par quelques opérateurs économiques. Après l'aéroport, la délégation est allée présenter ses civilités au maire de Butembo. Est intervenue une rencontre entre les opérateurs économiques du Grand Nord, venus notamment des villes de Beni et Butembo et du territoire de Lubero. Occasion pour ces hommes d'affaires d'exposer aux membres de la FEC les grands problèmes alors qu'ils rencontrent, c'est notamment la sécurité qu'entraîne leurs activités, la surtaxation ainsi que le manque des routes de dessertes agricoles. En écoutant toutes ces doléances, Singoma Mwanza promet qu'il va les soumettre aux autorités pour de solutions et permettre ainsi le développement de la partie nord du Nord Kivu. La sécurité, on la vit depuis des décennies. Mais ce que le secteur privé a toujours fait, c'est que malgré le contexte sécuritaire difficile, on s'est toujours distingué, en tout cas, je dirais ici au Nord Kivu, un secteur privé qui ne baisse pas les bras. Et quand même, je peux vous donner une des nouvelles importantes qu'on a eu il y a quelques jours. Je pense que c'est le gouvernement militaire qui autorise que la société Virunga puisse avoir de l'électricité. Donc voilà. Alors quand je survolais Butembo, je me suis dit dans une année ou deux, quand on reverra Butembo, on verra un Butembo électrifié. Alors ça, ce sont quand même des nouvelles importantes, mais bien sûr, comme vous le dites, on répète toujours que pour que vraiment l'économie se développe, il nous faut sécurité. Mais aujourd'hui, nous allons parler principalement des problèmes que le secteur privé a ici et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour les aider. Au cours de sa mission, cette délégation de la FEC Nord Kivu pourra visiter quelques entreprises économiques de la ville de Butembo. Vous ne le savez pas, sachez que le bureau central des coordinations BCECO a un général Jean-Mabi Mulumba, c'est son nom, il succède à Gaspard Kabongo. Le faux a eu lieu hier en présence du ministre des Finances. Reportage Rodé Panda. Signature de procès-verbaux, échange de signataires entre le directeur général sortant Gaspard Kabongo et le nouveau directeur général Jean-Mabi Mulumba, nommé par ordonnance présidentielle à la tête du bureau central de coordination BCECO. Cette cérémonie a présidé le directeur de cabinet du ministre des Finances, marque la remise, reprise, mais aussi l'entrée officielle en Jean-Mabi Mulumba. Après les mots du ministre des Finances présentés par son directeur de cabinet, suivi de celui de l'ancien directeur général. Jean-Mabi Mulumba rappelle la mission du BCECO. Le BCECO a été créé en 2001 avec pour mission de gérer les projets financés entre par les bailleurs de fonds. Aujourd'hui, le contexte a décidé de tout faire pour de la pauvreté. C'est un programme qui concerne 145 territoires. Et BCECO est l'une des agences à qui on a confié un certain nombre de territoires pour pouvoir exécuter des activités de développement. En plus de ça, il pèse la charge qu'il attend avec beaucoup d'ambition. Mon ambition est d'abord de réformer BCECO pour en faire une véritable agence de développement, capable d'accompagner justement le chef de l'État dans la mise en œuvre de sa vision de développement du pays. Restaurer la crédibilité de BCECO, à travers le renforcement de la transparence, mais également de la redevabilité. Seul, il ne peut rien, mais avec la collaboration de tous, Jean-Mabi Mulumba pense à la réussite de sa gestion. Avec l'appui de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, mais également du chef de l'État, ainsi que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous pensons que nous allons arriver à bon port. Je vais réformer BCECO, mais je ne vais pas réformer BCECO tout seul. Je vais réformer BCECO d'abord avec le personnel de BCECO. BCECO regorge une expertise assez pointue. Je vais veiller au social du personnel de BCECO, mais également au renforcement des capacités. Cérémonie terminée, l'air est au travail pour le développement de la RDC.
Un titre de ce journal, l'intercommunautaire du Nord Kivu habitant à Kinshasa veut à tout prix contribuer au retour de la paix dans la province du Nord Kivu sous état de siège. Profitons du séjour du gouverneur militaire à Kinshasa. Cette délégation est venue s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut à Beni, Lubero, Rutshuru, bref, dans le Nord Kivu auprès du gouverneur militaire, le général Constant Dima. Reportage. C'est dans une ambiance de convivialité que l'intercommunautaire de la province du Nord Kivu, une structure œuvrant à Kinshasa conduite par son président, l'honorable Jérôme Paluku, a échangé mardi 9 février 2022 avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Konga Constant, en séjour dans la capitale congolaise. Le cercle Elaïs, situé dans la commune de la Gombe, a servi de cadre à cette rencontre. Selon le président de cette structure, ils sont venus s'enquérir de la situation sécuritaire, administrative et sociale de la province du Nord Kivu sous état de siège auprès du lieutenant général Ndima Konga Constant, mais également savoir comment ils peuvent participer en tant que natifs de la région au retour de la paix. Pendant plus de deux heures, le numéro 1 de la province du Nord Kivu a dressé devant les membres de l'intercommunautaire, représentés ici par les communautés de Beni, Lubero, Butembo, Walikale et Rutshuru, la situation sécuritaire marquée par plusieurs exploits des FARDC, la situation administrative de la province ainsi que la situation sociale. Au terme de cette rencontre, le lieutenant général Ndima Konga Constant est revenu sur les mobiles de cette rencontre à notre micro. Il a également appelé ses notables du Nord Kivu à l'accompagner dans sa mission lui confiée par les commandants suprêmes, celle de pacifier cette partie du territoire. J'étais très heureux de la demande de la communauté habitant Kinshasa. En nous retrouvant ici, nous nous sommes attachés sur deux assises, c'est-à-dire l'aspect sécurité de la province du Nord Kivu, c'est qu'ils ne peuvent plus, s'ils ont quitté leur province où ils habitent, travaillent ici et ils reçoivent de partout les informations et peut-être de leur gouverneur de province, ils peuvent avoir suffisamment des informations sur la situation sécurité de la province. Et aussi, ils veulent aussi connaître comment ça se passe, les activités au niveau de l'administration de la province. Ils doivent continuer à nous appuyer, à nous soutenir, pour nous donner aussi cette force de nos ancêtres, pour qu'ensemble, nous venions à bout de cet ennemi. Faire des forces armées de la République démocratique du Congo une armée professionnelle pour venir à bout des groupes armés, c'est l'engagement ferme du commandant suprême des FARDC et de la PNC au travers le ministre de la Défense nationale et ancien combattant en cette période d'état de siège, en dotant les militaires. La province de l'Ituri vient de réceptionner 4 ambulances médicalisées pour la prise en charge de blessés lors des différentes opérations, dont du gouvernement de la République. Regardez. Galvaniser les opérations militaires en Ituri et assurer sans faille la prise en charge médicale des éléments de forces armées en facilitant l'évacuation. De siège, le gouvernement de la République à Canvert, le ministère de la Défense, a doté l'administration militaire de l'Ituri de personnel. Le général Nyembo Abdallah, Défense nationale, Gilbert Kanda, pour son dynamisme légendaire de trouver solution au problème de la défense. Aujourd'hui, nous avons 4 ambulances et nous vous disons merci. Et je crois que ces jupes seront un ouf pour les militaires qui sont sur le terrain. Au gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant général Luboyan Kachema Johnny, d'exhorter les responsables médicaux à utiliser à bon escient ces ambulances pour l'honneur de forces armées, de véhicules médicalisés qui vont certainement limiter le nombre de décès avec la rapidité d'évacuation du militaire et civil en ville de Bounia. Vous êtes médecin responsable de l'unité médicale d'intervention rapide. Je vous remets ces 3 jeeps, ces 3 ambulances qui sont une dotation du ministère de la Défense pour l'hôpital militaire régional de Bounia. Signalons qu'il s'agit là
de la 7e dotation de forces armées à Charroi Automobile en Ituri. Une remise qui intervient, notamment après celle de Jeep 4x4 aux administrateurs des territoires de l'Ituri, ainsi qu'à certains commandants régiments de l'armée à Djougou, ce qui témoigne de l'engagement du commandant suprême de FRDC et de la PNC. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de FRDC, une armée professionnelle, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires. Et cap dans la province où l'heure est à la cérémonie d'échange de vœux entre le gouverneur de la province et les officiers des forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que de la police nationale congolaise. Une occasion pour Fifi Masuka de présenter, de remettre des vivres et non-vivres à ces derniers, dont du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. Communier et présenter les vœux de nouvel an aux officiers et hommes des troupes des forces armées, de la RDC et de la police nationale congolaise du Lualaba. C'est de cette manière que Madame le gouverneur de province a voulu commencer la journée de ce mardi 8 février 2022 à l'état-major de la PNC. La rencontre a commencé par les honneurs militaires sous les yeux du commissaire provincial de la PNC. Puis les mots d'encouragement et de remerciement de la part du commandant suprême des FRDC et de la police, Félix Tshisekedi Tshilombo, que Marie-Thérèse Masuka a transmis à ces hommes et femmes qui ont fait le choix de sécuriser le territoire national, le peuple congolais, et ses biens jusqu'au sacrifice suprême. L'autorité provinciale leur a apporté un lot de vivres constitués de poulets et autres offert par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le gouvernement provincial a suivi l'exemple en donnant de la viande de porc, de la farine de maïs et une prime. Même Kouba Aïnti, chef de l'État, Alimitmia, Mouchele, Nakoukou. Il y a province ni prime. Fatala Nakazi, il est Mkounatouni. Chef de l'État, na Toumanjou, à Bonané, na Noël, Kidoko. Il a la peine à naïve, il m'a dit, il souhaitait. Ma vœu, continuer à tenir la case, qui sera la peine dans mon tonique. Masuka Saini a procédé aussi à la remise symbolique des matériels envoyés par le commissariat général de la police. Un pylône de la SNEL pris en otage dans une concession privée, ça se passe dans la commune de Maloukou. Ce pylône est menacé par des érosions. Les détails avec Yvette Makoutima. Un pylône de la Société Nationale d'Électricité SNEL SA dans une grande concession privée, c'est à se demander de la concession et les pylônes, qu'est-ce qui vient avant l'autre? La réponse est claire, c'est l'outil de la SNEL SA. L'on est alors loin de retenir la leçon des drames et tragédies dans ces cas de figure. Nous sommes dans la commune des Maloukou, quartier Nzamou. Et cette concession du genre Hacienda qui prend en otage les pylônes de la SNEL SA appartiendrait, selon les témoignages recueillis par la délégation de la SNEL SA venue de constater les dégâts, à une grande figure décédée de la politique du pays. Cette concession-là, il paraît qu'elle appartient à M. Feu, un de nos dignitaires, Pierre Lumbu, qui a acheté et qui a, en clôturant, qui a mis les nôtres pylônes. Maintenant, après avoir clôturé, l'eau du puits n'a pas de passage et l'eau a créé l'érosion que vous voyez et le pylône est menacé. C'est ce que nous avons l'habitude de dénoncer pour que l'État congolais prenne ses responsabilités. Parce qu'on ne peut pas enfermer un pylône avec une ligne haute tension dans une concession privée. Maintenant, s'il faut qu'on intervienne, comment est-ce qu'on va accéder à ça? Ce sont des choses qui ne peuvent pas continuer. 8 avenues obstruées par des passages pour le ruissellement des eaux des pluies. La voie est libre pour les têtes d'érosion. Les eaux des pluies ne sont pas canalisées depuis que le défunt Pierre Lumbi a érigé ses murs, qui du reste fait obstruction à 8 avenues. Les eaux stagnent et provoquent des têtes d'érosion. Ces eaux causent des dégâts énormes et les pylônes est menacé. Il y a une voie pour que l'eau coule normalement. Nous demandons à l'État de démolir ces murs pour laisser un passage aux eaux des puits et les personnes passent par cet environnement. Une alerte de plus de la SNEL SA à l'endroit des pouvoirs publics pour préserver des vies humaines, mais aussi cet outil de transport de l'énergie électrique d'utilité publique. Et rendons-nous dans le Kassai pour parler de la récolte de plusieurs tonnes de maïs dans cette province qui réjouit la population qui attend de main ferme la consommation de cette denrée. Regardez.
La revanche du sol sur le sous-sol, les habitants d'Ngandajika l'ont compris. Une manière de barrer la route à la famine et répondre à la vision du chef de l'État qui met l'homme au centre. Les 500 hectares de maïs cultivés ont livré leurs secrets pour la saison culturelle 2021-2022. 2000 tonnes de maïs viennent d'être récoltées au site d'Nkwadi, en Ngandajika. La population s'en réjouit. Le président Félix Tshilombo Tshisekedi, ces vastes étendues des champs sont les fruits du programme volontariste du gouvernement. Sur ces sites, la semence utilisée provient de l'Inera Kanyama et d'Ngandajika qui s'accommode fort heureusement au sol. Le maïs ainsi récolté est acheminé à la minoterie de la Miba pour la production de la farine en faveur de la population. Pour la saison A 2021-2022, nous avons cultivé 500 hectares et les 500 hectares, nous avons utilisé une variété hybride et une variété Kasai 1 qui nous est venue de l'Inera Kanyama et aussi la variété Mousse qui est la variété qui est en vogue ici. À la faveur du climat tropical humide qui couvre cette contrée, il est possible de réaliser des merveilles et répondre ainsi aux besoins alimentaires de la population. Avant de refermer complètement ce journal, rappel de titre, ce qui est tout de même une très bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Après plusieurs années de tractations entre la RDC et l'Ouganda, dans un conflit qui impliquait plus ou moins 9 pays africains, la Cour internationale de justice vient d'ordonner à l'Ouganda de payer à la RDC la somme des 325 millions de dollars américains dans le cadre de dommages infligés lors de la deuxième guerre en RDC pour l'occupation de l'armée ougandaise dans la province de l'Ituri. Dans ce journal, les difficultés de fonctionnement des commerçants dans nos différentes provinces, difficultés soumises au Premier ministre, choses qui entravent l'épanouissement de ces derniers dans leurs activités économiques. La situation sécuritaire qui prévaut dans le Nord Kivu passe également au peigne fin entre l'intercommunautaire du Nord Kivu, habitant à Kinshasa, et le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ce titre que nous mettons complètement fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite. Au revoir.